Hello baby, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que là, ça fait un petit temps que je n'ai plus filmé. Ben voilà, tu connais vie de maman, tout ça. Je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui cheveux, enfin cheveux extensions. Je vous montre comment passer d'une queue de cheval minable, je ne sais même pas si on peut appeler ça une queue de cheval, appelons ça une houppette, une houpinette, appelez vraiment ça comme vous voulez, mais c'est tout sauf une queue de cheval. Donc je vous montre mon astuce pour passer de ça à ça. On va utiliser des extensions à clip. Pourquoi j'utilise pas les postiches? Je déteste ça, je trouve que ça fait trop fake. Alors je sais, ça fait fake, mais j'aime bien en fait ce réalisme de queue de cheval avec l'élastique en fait. C'est ça que moi j'aime bien. Et il y a beaucoup de gens qui croient que c'est mes cheveux. Bon, et il y a des gens, ils savent que voilà, c'est des extensions. Mais celui qui me connaît pas, il va pas forcément croire que là j'ai mis une postiche, parce que les postiches en fait, ça vient vraiment avec la pince faire, je sais pas, ici on voit vraiment pas, il y a rien en fait, c'est, il n'y a pas d'élastique. Et quand vous avez aussi des queues de cheval où vous pouvez, vous voyez, tourner, vous avez toute une bande de cheveux que vous pouvez venir torsader. Je trouve ça trop laid parce qu'en général c'est beaucoup trop gros, donc tu passes 10 000 tours autour du truc et puis ça tient pas bien. Donc vraiment moi j'aime pas du tout. Moi quand je fais mes queues de cheval ou même des petites couettes, enfin bref, je fais plein de coiffures, je fais pas que ça, eh bien honnêtement je préfère utiliser des extensions à clip. Et vu qu'on m'a déjà plusieurs fois posé la question, je me suis dit ben, allons-y, faisons une vidéo là-dessus. Alors pour les extensions, donc vous pouvez utiliser les extensions de vrais cheveux. Moi ici c'est de la merde. Si vous avez les moyens, vous pouvez utiliser des vrais cheveux. Si vous n'avez pas les moyens comme moi, vous utilisez des extensions de merde synthétiques ou peut-être un mix, j'en sais rien. Bref, d'ailleurs moi ici celles-ci elles sont à changer parce que là elles ont un an. Je les ai achetées quand j'avais tourné ma vidéo vlog perruque. Je sais pas si vous en souvenez pour ceux qui me suivent. Donc ça fait un an là, enfin même plus je crois, je sais plus exactement, mais j'étais encore enceinte d'Astoria et Astoria elle a 9 mois, donc vraiment ça fait longtemps. Donc là elles sont quand même toutes déglinguées, du coup ne prenez pas attention à la qualité et tout, enfin même là genre je les ai brossées et tout, mais bah tout est un petit peu défait et tout, mais c'est pas grave, je vais aller en racheter. Ensuite bah, vous pouvez utiliser donc comme moi soit des ondulés, soit des lisses, voilà enfin bref tout ce que vous avez envie. Moi j'ai plusieurs parquets, donc là par exemple je porte les ondulés, enfin les mermaids, c'est la mermaid, parce qu'à la base c'était des mermaids, je sais pas si on le voit bien, mais bon bref. Ici j'ai un paquet de lisses, donc voilà comme ça bah, parfois je fais pas toujours ça, parfois je fais voilà avec les lisses, et puis avec les lisses aussi je peux faire aussi d'autres coiffures parce que mais du coup ça je peux pas passer le fer dessus, donc en fait je laisse enfin la forme du cheveu quoi, clairement. Ce qui est très important dans le choix de vos extensions, peu importe si vous prenez des vraies, des fausses, enfin bref on s'en fout, c'est vraiment la teinte quoi. Il faut que ça soit quand même cohérent avec vos cheveux. C'est pour ça que moi j'ai pris un effet méché, je sais pas si on le verra là dedans en fait. Il faut vraiment que ça aille avec vos cheveux. Ça c'est vraiment très important pour pas qu'il y ait en fait de démarcation et que ça se fonde vraiment et qu'avec l'élastique ça fasse vraiment ben, genre vos cheveux quoi, c'est vos cheveux. Voilà, alors moi je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous montre comment je réalise ça. Je vous commente en voix off, n'hésitez pas si vous avez des questions évidemment. C'est parti pour avoir une queue de cheval à la Ariana Grande. Alors vous aurez besoin d'extensions de cheveux à clip. Comme je vous l'ai dit plus tôt, peu importe la marque, vous prenez ce que vous avez envie. Brosse à cheveux, alors ensuite des pinces, une pince, moi j'en ai besoin que d'une, mais voilà, vous prenez les pinces que vous voulez. Du shampoing sec, de la laque, et j'ai oublié de le dire, mais un élastique, cela paraît évident. Alors ensuite, vous allez bien démêler vos cheveux, pour ça vous allez utiliser une brosse. Faut que j'arrête. Alors là, on passe à l'étape où je mets le shampoing sec. Mais clairement, vous n'êtes pas obligé de le mettre à cette étape-là. Vous pouvez le mettre après avoir mis des extensions. Donc là, je l'ai fait avant. Mais voilà, soit. Alors là, j'éparpille ben, le talc. La merde. Ensuite, là, on démêle bien les extensions. Surtout ben, pour les miennes. Alors là, surtout ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de cheveux en fait au niveau des pinces. Donc voilà, vous démêlez, vous dégagez bien les pinces. Alors là, on va commencer à faire des séparations. Donc vous allez faire une première raie, comme si vous faisiez une queue de cheval, enfin une petite queue de cheval haute. Et donc en fait là, ça va être vraiment genre pour délimiter en fait la hauteur de votre queue de cheval. Ok, vous allez comprendre par la suite, mais bref.
Donc voilà, là vous allez commencer à placer donc une première bande de deux pinces. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Et vous allez donc la placer vers le sens, enfin vers l'arrière quoi. Vous le voyez de toute façon, c'est bien représenté. Alors, vous refaites après une répare au-dessus la petite bande à clip qu'on vient de mettre. Voilà, bon, franchement, ça ne doit pas être parfait, hein. Les bandes, les lignes, on s'en fout parce que ça, on ne le verra pas, donc on s'en fout. On n'est pas sur de l'art. Hein. Et là, on va mettre une bande plus grande. Donc là, je passe à trois pinces. Et en fait, là, vous pouvez essayer, quand vous placez la bande, de l'arrondir un peu, comme je vous montre là, ici. Vous voyez, d'aller vers l'intérieur, en fait, quand vous placez vos pinces, pour faire une espèce de petit arrondi. Je ne sais pas si c'est bien, enfin, si c'est clair. Alors là donc on continue, je vous avoue que j'ai un peu du mal à faire mes étages et habituellement je me penche pas en avant donc mes étages ne partent pas, là vous voyez que mes mèches s'en vont, mais voilà logiquement vous le faites avec la tête penchée, enfin droite quoi, et du coup les cheveux restent en arrière. Donc là je place une bande de 4 pinces puisque là on est vraiment sur le haut de la tête, là où il y a le plus d'espace, donc on va essayer d'occuper un maximum d'espace sur votre crâne. Et je viens également donc essayer de mettre les deux dernières pinces, enfin les pinces d'extrémité vers l'intérieur. Là vous allez voir qu'en fait la pince qui est en dessous me gêne, donc celle de la bande à 3 pinces. Donc hop, je la remets et voilà, je viens remettre l'autre pince. Alors là je vais venir donc faire le devant de la tête. Là je vais donc passer à des bandes plus petites vu que forcément on est sur le devant. Je vais mettre donc une bande de 2 pinces et ensuite une bande de 1 pince. Donc là, vous allez voir, je vais refaire voilà, une raie. Alors, du coup, vous voyez qu'il reste une bande de mes vrais cheveux devant. Et ça, c'est voilà, ça va permettre de camoufler les pinces, forcément. Les cheveux, les extensions. Là, je vais brosser le tout, je vais vérifier voilà, qu'on ne voit pas d'extension et que ça soit bien propre. Alors ensuite, là, je vais faire une raie. Une raie. Donc pour mettre les pinces à l'arrière et donc là bon là je l'ai fait trop basse clairement, en fait non, au niveau du début ça va mais en fait à la fin là vers le milieu de ma tête j'aurais dû monter plus haut, donc là je vous remontre en fait comment il faut le faire. Donc vous voyez que là je vais remonter plus haut, donc je vais être vraiment plus près des extensions en fait que j'ai placées, vous voyez, et voilà, donc c'est vraiment plus comme la deuxième ici, comme la deuxième vidéo qu'il faut faire. Alors là, du coup, on va placer le reste de nos extensions. Il ne nous en reste plus beaucoup. Bon, maintenant, si vous avez plusieurs paquets, voilà. Donc là, en fait, il faut qu'il y ait moins de cheveux. C'est pour ça que je vous ai dit de monter plus haut quand vous faites votre raie. Bon, là, c'est pas grave, on s'en fout. Je place donc une pince et ensuite, je place... Ben, là, il me reste une bande de 3. Ben voilà, vous faites un peu avec les bandes que vous avez envie. En fait, à l'arrière... Voilà, s'il y a moins d'extensions, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment qu'à l'avant, vous puissiez vraiment bien camoufler vos cheveux, en fait. Voilà, donc là, pareil, je vais aussi en arrondi. Mais là, vous voyez que je vais dans l'autre sens. Donc là, mes extensions sont dans le sens inverse par rapport aux autres. Elles se rejoignent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, vous voyez qu'elles sont pas dans le même sens. En fait, elles vont aller vers la queue de cheval. Là, je vais brosser mes cheveux. Je vais bien tout placer. Je vais essayer de bien les brosser. Et là, c'est à ce moment-là que je vous disais que vous pouviez en fait mettre le shampoing sec. Habituellement, moi, c'est là que je le mets. C'est pas au début. Je le mets quand j'ai mis les extensions à clip. Et du coup, je le mets que autour en fait. Que sur tout le contour de mes cheveux. Voilà. Donc là, on va rassembler les cheveux pour faire la queue. Donc comme une queue normale. Vous pouvez soit pencher la tête en avant comme je le fais là, ou vous pouvez également faire avec la tête redressée. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend, moi je fais les deux. Alors là, on va bien brosser les cheveux pour pas qu'il y ait des ponts, des bosses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, là, il va y avoir une étape très importante. Cette étape, ça va être l'étape de l'élastique. Parce qu'il faut vraiment bien le faire. Donc ça, respectez vraiment bien. Alors vous allez prendre votre élastique, un élastique quand même assez large parce que bon, moi là, il y a beaucoup d'extensions. Après, si vous en mettez moins, voilà. Mais bon, voilà, vous faites un peu à votre guise et vous verrez si ça va ou pas. Donc vous allez mettre votre élastique autour de votre queue de cheval, comme vous le feriez habituellement. Et là, surtout, avec votre main, donc où il y a l'élastique, là, vous n'allez pas lâcher les extensions et vous allez tirer avec l'autre main.
pour éviter en fait de faire des bosses et des imperfections sur le devant de la tête. Et là, quand vous allez faire vos torsades vos torsades d'élastique, vous le faites par l'arrière, comme je l'ai bien montré là dans la vidéo. Je le remontre ici, donc hop, on tire les cheveux avec l'autre main, surtout on tient bien la queue, on immobilise. Et là, on prend l'élastique, on le met vers l'arrière, comme vous allez le voir. Voilà, vous tirez bien. Mais là, voilà, vous le faites derrière comme ça. Au moins, il n'y a pas d'imperfection qui vient se faire devant. Après, pour les deux autres torsades, enfin, c'est juste pour les deux premières, on va dire. Mais là, après, pour le reste, vous pouvez, tirer vos cheveux comme, voilà, comme d'habitude. Vous faites votre nœud, vous prenez dans la main où il y a l'élastique. Enfin, bref, vous avez compris. De toute façon, vous voyez, hein, c'est très bien illustré. Et là, vous allez tirer comme des malades. Et voilà. Alors, bon, là, c'est un peu what the fuck, hein, je l'avoue. Mais ne vous inquiétez pas, on va travailler tout ça et ça va aller. Donc, là, vous allez bon, démêler un peu le bordel, surtout bon, si vos extensions elles sont dans un piteux état comme les miennes. Alors là, vous avez vos vrais petits cheveux avec vos vraies mèches, forcément. Normalement, il ne doit pas en avoir beaucoup si vous avez bien placé vos extensions. Vous allez donc les faire à la même nature que vos extensions. Donc, si vous avez des extensions lisses, bah, vous les laissez lisses. Mais là, vu qu'elles sont un petit peu mermaid, bah, je viens mermaider mes cheveux. Alors là, je vais essayer de dégager un peu les mèches donc apparentes de mes vrais cheveux. Je vais essayer de les dégager un petit peu de l'élastique pour les mettre plus vers l'arrière et faire en sorte qu'elles soient camouflées par les extensions, en fait. Parce que sinon, bah, vous allez avoir vos petits palmiers de cheveux qui vont être apparents, ça ne va pas être beau. Et donc, le but, c'est vraiment que ça ne se voit pas. Et donc, essayez de les décaler un peu vers l'arrière sans défaire toute la queue. Mais voilà, vous essayez de faire au mieux. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, je vous donne une belle astuce, une très belle astuce. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais il faudra un peigne à dents. Et là, c'est pour défaire, en fait, les bosses, vous voyez, les ponts. Et vous voyez, ça marche super bien. Donc, hop, vous passez le pic et vous allez en fait venir lisser la bosse. Et hop, voilà, comme ça, ni vu ni connu. Donc ça, c'est une très belle astuce si vous ne connaissiez pas. Ben, c'est de moi. Alors là, on va mettre une pince à l'arrière. Je vous ai dit, moi, là, j'en ai mis qu'une. Libre à vous d'en mettre plusieurs en fonction des petits cheveux qui vous gênent ou voilà. Et là, on va venir laquer le tout. Bon, on ne met pas une tonne de lac, on met juste un petit peu pour dire. Voilà. Alors, si vous avez envie de coiffer vos baby hair, vous pouvez le faire. Moi, je ne le fais pas, j'ai pas envie. Je les laisse un petit peu libres. Et voilà, notre queue de cheval est terminée. Not still pas beautiful. Voilà mes baby. Donc, j'espère que ma vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous comprenez pas. Je pense que j'ai plus ou moins su bien vous montrer. Maintenant, peut-être qu'avec la caméra et tout, parfois, je vois pas bien. En plus, je dois pencher la tête en avant, donc voilà. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. Il suffit vraiment de bien s'appliquer. Voilà, maintenant, comme je vous ai dit, par exemple, ça doit pas être genre, enfin, les raies, les étages que vous faites, ça doit pas être genre super propre. Il y a juste, en fait, devant, là, ça doit être bien propre, en fait, et derrière et tout. En fait, tous les cheveux autour, ça doit être propre. Le reste, vraiment, on s'en fout. En dessous, on s'en fout parce que, voilà, on voit pas. Par contre, je devais rajouter juste... bon, si vous avez envie de faire ça tous les jours, enfin, je pense que tous les jours, c'est peut-être un peu too much maintenant. Enfin, voilà, faites vraiment ce que vous avez envie. Mais par contre, ne dormez pas avec. Moi, je vous recommande pas de dormir avec. Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller me coucher avec parce que le lendemain matin, je me levais très tôt et que j'avais pas le temps de faire mes cheveux et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, au moins ma queue, elle est déjà faite, c'est bon, je pars. Voilà, ça bouge pas en fait, donc voilà. Mais sinon, je ne dors jamais, jamais avec. J'enlève toujours les extensions parce que voilà, c'est des extensions à clip. Faut, voilà, vos cheveux, faut leur foutre la paix. Et pendant la nuit, il faut qu'ils dorment aussi, mais tranquillement quoi. Donc, il faut pas commencer à mettre les clips et tout. Enfin, moi, je vous recommande vraiment de les enlever et de refaire à chaque fois l'étape si vous voulez avoir une queue de cheval, quoi, tout simplement. Et c'est ici que s'achève ma vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez envie que je vous tourne aussi d'autres vidéos dans ce style. Eh bien, j'essaierai de le faire. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.